J'avais le titre en tête. Comment tomber amoureux sans tomber? Ça m'a toujours frappé cette expression. Tomber amoureux. Comme un accident, comme un malheur. Tomber, c'est un malheur. Et c'est comme ça dans toutes les langues. En anglais, c'est fall in love. Et ce titre, pendant très longtemps, je me suis posé la question, comment tomber amoureux sans tomber? Je voulais absolument écrire un livre qui s'appellerait « Comment tomber amoureux sans tomber ». Et j'ai mis très longtemps à réfléchir, à essayer de trouver une histoire qui va avec le titre. Et puis, finalement, comme ma petite fille qui joue le rôle d'Annabelle dans le livre était en terminale, j'ai dit voilà, c'est là que je commence, avec Annabelle en terminale. Et c'est parti sur trois générations de femmes qui tombent amoureuses. Mon personnage, Annabelle, est très ambitieuse. Elle veut avoir la mention très bien au bac, elle veut, comment dire, réussir sa vie. Et elle résiste à la possibilité d'être amoureuse. Elle ne veut pas de ça. Elle veut d'abord sa vie intellectuelle, aller dans une grande école, comme, tu sais, pour moi, qui est pour moi la folie française. Ceci dit, l'ambition est considérée comme une faiblesse, plutôt comme une tare d'être ambitieuse. Moi, je suis tout à fait pour l'ambition. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition. On n'écrirait pas si on n'avait pas l'ambition. Annabelle, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très bien. C'est une possibilité de la vie. Nous, les écrivains, on propose des possibilités de la vie, de personnages. Je ne me vois pas décrire une fille paresseuse. Annabelle est en terminale. Elle a 17 ans. Je pense que ce livre en particulier, peut plaire à mes trois générations de femmes. Annabelle, 17 ans, mais les filles de 12, 13, 14 ans le lisent avec plaisir. Je pense que la génération de ma fille, 40, la quarantaine, peuvent le lire. Et aussi ma génération à moi, parce qu'il y a mon histoire d'amour aussi dans le livre. C'est un livre qui est très autobiographique.